De Gros, Madame la députée de Gouin, maintenant. Merci, Monsieur le Président. Bon, évidemment, comme d'habitude, dans ces moments-là, je vais avoir la gorge serrée, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne m'en voudra et je pense en plus que je ne serai pas la seule. Je voudrais d'abord remercier la Première ministre du Québec, parce que je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, beaucoup de premiers ou premières ministres dans les provinces canadiennes tiendront les propos qu'elle vient de tenir au nom, et avec toutes les collègues d'ailleurs, au nom de la population du Québec. Évidemment, depuis hier, il y a un concert d'éloges qui est entendu, mais j'ai aussi entendu quelque chose hier soir que j'ai trouvé honteux. Quelqu'un s'est senti capable de traiter le docteur Morgenthaler de tueur à gages. Je voudrais rappeler à cette personne et à ceux et celles parfois qui l'appuient qu'au moment où ce célèbre médecin a commencé à pratiquer des avortements, l'Institut de la statistique du Canada nous disait qu'à chaque année, 45 000 femmes étaient hospitalisées pour des complications sérieuses suite à des avortements clandestins et mal opérés. Est-ce que c'est à ça qu'on veut revenir? Je ne pense pas. Le Dr Morgenthaler a eu cette énorme qualité d'être capable de dire « Les femmes sont des êtres libres et autonomes, elles sont capables de faire des choix par elles-mêmes ». Il a dit aussi quelque chose d'autre, que chaque enfant mérite d'être désiré. Il me semble qu'on est capable, tout le monde, d'être d'accord avec ça. On l'a dit, d'autres que moi l'ont dit, il a payé cher, il a payé très cher pour avoir le courage de ses convictions, il a été emprisonné, il a fait de la désobéissance civile, il y a eu beaucoup de haine et de racisme qui a été exercé contre lui, mais il a tenu bon, il s'est tenu debout aux côtés des milliers de féministes, il faut le rappeler, dans les années 70 et 80, qui disaient « nous aurons les enfants que nous voulons ». Cette victoire que nous avons fini ensemble par obtenir à la Cour suprême, c'est la victoire de toutes les femmes. Aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de nous assurer que l'héritage du Dr Morgenthaler demeure, c'est que nous prenions ensemble, tous et toutes dans cette Chambre, l'engagement solennel de ne laisser aucune femme de côté en matière de santé reproductive. Et c'est vraiment un appel que nous devons nous lancer collectivement, qu'aucune femme dans aucune région du Québec ne soit privée de services de contraception et d'avortement. C'est aujourd'hui ce que nous pouvons faire de mieux pour assurer la mémoire du Dr Morgenthaler, que je salue. Alors, merci à vous, Madame la députée de Gouin. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée.